les énergies renouvelables ont couvert plus de 30% de la consommation électrique de la France. La facture énergétique de l'État en baisse de 150 millions d'euros en 2023. Le gouvernement va investir 26 millions d'euros pour transformer les zones commerciales périphériques. Construction hors site, Spurgin dévoile sa stratégie. Un nouveau guide pratique sur le bien vieillir chez soi publié.